Donc, last but not least, Sylvain Laborde, qui est arrivé lundi de Cologne, qui est ancien boursier du DAD, qui est parti pour un postdoc en Allemagne et qui travaille donc aujourd'hui toujours à la Deutsche Sporthochschule, donc à l'Université allemande du sport, c'est le titre exact en français, à Cologne, et qui va nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur. C'est The Love Story Between the Heart and the Brain. À toi. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas forcément. Le temps où la France ne gagnait pas la finale de la Coupe du Monde. Alors voilà, Materazzi qui accroche Zidane. Zidane ne lui fait remarquer. Mais pourquoi ? C'était le coup de tête de Zidane pendant la finale de Coupe du Monde 2006, France-Italie. La France n'a pas gagné. Ce coup de tête de Zidane fut le déclencheur de ma carrière de chercheur. J'ai par la suite mis des électrodes sur la poitrine des sportifs, sur leur cœur, sur leur cerveau, pour trouver ce qu'on pourrait appeler un réservoir de sérénité. La question brûlante qui s'est posée à moi par la suite, c'était comment remplir ce réservoir de sérénité alors qu'il était vide comme chez Zidane ce soir-là. J'ai 3 minutes ce soir, je vais donc vous présenter mon best-of des 3 meilleures méthodes. Mais avant de remplir le réservoir, on va d'abord le vider. Je vous propose un tout petit expérience avec moi. Et donc le public est bien sûr invité à me rejoindre. Et on regarde Hampelmann comme... Super! Bravo à tous! On s'est tous bien vidé le réservoir de sérénité pour le remplir. Ma première méthode, jolie musique, la respiration. La respiration à longue contrôlée, quand on va la faire de la manière suivante, 4 secondes inspiration, 6 secondes expiration, on va remplir le réservoir. On essaye? Méthode, le toucher. On a découvert que si un coéquipier de Zinedine Zidane était venu le mettre la main sur l'épaule pour le prendre comme ça, ça aurait rempli tout de suite sans y avoir de sérénité. On essaye, je vous invite à mettre votre main sur l'épaule de votre voisin, de votre voisine, pour faire une super équipe du DAD France ce soir. Super! La dernière, c'est le réflexe d'immersion que nous partageons avec les mammifères. Mon visage va entrer en contact avec démonstration. Alors c'est grâce à vos recherches aussi qu'il n'y a plus eu de coup de tête ou comment expliquer le succès de l'équipe de France. On n'a pas eu de coup de tête dans la poitrine des adversaires, seulement dans le ballon en 2018. Ça explique peut-être une partie de la réussite.
Est-ce que tu envisages une version commerciale du bac à eau au bureau qui sèche automatiquement pour les urgences? Je pense que je vais m'associer à ceux qui voulaient faire une start-up tout à l'heure, faire un crédit peut-être pour la bassine à eau, si vous pensez que ça a de l'avenir.